Bonjour à tous et bienvenue dans Voyance Gratuite, c'est Abélina. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir pour la deuxième semaine consécutive encore une Géraldine qui a été tirée au sort. Géraldine, vous êtes en ligne? Oui, je suis là. Bonjour et bienvenue, vous nous appelez de quelle région? Bonjour Abélina, je vous appelle du nord de la France. Nord de la France, bienvenue à vous. Grand plaisir à vous avoir pour ce tirage au sort du coup. Et je vais essayer de vous aider. Alors, quelle est votre question? Bah écoutez, j'aimerais bien savoir au niveau de ma spiritualité D'accord. Où j'en suis. Où vous en êtes, ce que l'on peut peut-être vous donner pour vous guider au niveau de l'âme, puisque d'accord, j'ai des choses qui arrivent déjà. Allez, ça démarre. Parfait. Alors, premier élément déjà qui est extrêmement dominant, c'est le grand point d'interrogation de cette incarnation. Qu'est-ce que j'en fais? Je fais quoi? Ça sert à quoi? Mais c'est quoi l'idée? C'est comme si c'était un concept très abstrait pour vous, cette incarnation. Et je dirais qu'il n'y a pas d'âge pour se poser les questions que vous vous posez. Je vais développer. En fait, vous êtes issu d'une ancienne incarnation très compliquée, très dure, très violente à votre encontre, avec de l'isolement, avec des moments où on vous a mis sous silence, avec de la torture, avec des choses extrêmement violentes, parce que dans une autre incarnation, vous avez osé utiliser des capacités vibratoires qui étaient les vôtres. Du coup, comme vous avez osé être dans la différence, eh bien, vous avez subi ce qu'on appelle le pugilat. Le pugilat, c'est vraiment qu'on vous a mis à l'isolement et vous avez, pendant de très longues années, été comme ça, isolé et j'ai aussi beaucoup de maltraitance, ce qui signifie que vous avez quand même un résiduel, ce qui peut expliquer parfois ces sentiments de mélancolie que vous pouvez avoir. D'accord. Et de vous dire, mais qu'est-ce que j'ai, c'est pas moi, non, c'est plus vous, mais effectivement, ça vient de résidus karmiques qui sont comme des entraves, et j'ai le sentiment que ça a particulièrement affligé votre âme. C'est-à-dire que votre âme s'est dit, waouh, celle-là d'incarnation, elle a été dure, 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 dure. Ce n'est pas faux. C'est une incarnation dont vous arrivez. Vous n'êtes pas arrivé de suite, hein. Vous avez vraiment laissé passer des dizaines, des cinquantaines d'années avant de pouvoir vous réincarner et de vouloir, parce que ça remonte, pour moi, j'ai l'impression que je suis aux environs de 1600, 1700, vous voyez, pour vous dire. Donc, je suis loin. Et vous avez dit, non, mais remettre le couvert, les gars, c'est bon, mais avec ce que je viens de vivre, waouh, wow, c'est dur. Simplement, vous n'avez pas failli, et ça, on veut vous le redire ici-bas, c'est que dans votre dernière vie, vous n'avez pas failli par rapport à vos convictions. Vous avez été jusqu'au bout de ce que vous ressentiez, de ce que vous aviez comme... vous avez été touché une fois par la grâce, donc vous savez qu'il y a autre chose que ce qui est visible. D'accord. Alors, pas de chance pour vous, vous étiez dans une époque où pas très évoluée, hein. Si ça se passait maintenant, vous pourriez vivre... sans difficulté, finalement, un développement spirituel, une ouverture à vous-même. Sauf que, à l'époque, c'était pas du tout ni vu comme ça, ni accepté. Et vous en avez fait les frais physiques, mentales, vraiment la totale. Donc, aujourd'hui, on va sur autre chose. Il faut vous réconcilier avec le genre humain. D'accord. Qui dit se réconcilier avec le genre humain, c'est le genre dans tous les sens, c'est-à-dire aussi bien l'amour. Oui. Aussi bien que le relationnel, c'est-à-dire le social, l'amical, l'environnemental, et d'accepter votre incarnation. Mm-hmm. Parfois, vous manquez de diplomatie, ça ne vient pas de cette vie-là, ça vient de la vie d'avant. Ah bah d'accord. D'accord, c'est pas vous. C'est encore des résidus. Et vous avez parfois un caractère impétueux, me dit-on. Je ne sais pas si vous vous en rendez compte. Si. Bon, alors, c'est pas grave, on a tous, je vous le dis, on a tous nos petits cailloux dans la godasse. Alors, quand vous avez comme ça des résidus karmiques, là, ce que je suis en train de vous faire pour votre question, c'est une lecture d'âme, une guidance de l'âme. Je vais chercher par rapport aux dernières vies ou à la dernière vie, ce qui est problématique et ce que vous m'avez ramené. Du coup, quand on voit vos problématiques, on se dit, bon, alors qu'est-ce qu'on en fait? Et c'est là où c'est intéressant, c'est maintenant dans cette incarnation, ça n'a plus lieu d'être, donc il va falloir évacuer. Mais de savoir que ça ne vient pas de maintenant, et que c'est un truc que vous traînez, mais qui n'est pas de maintenant, c'est super important parce que pour votre âme, c'est aussi un soulagement. D'accord. De vous dire que vous êtes capable
Mais que si vous n'y arrivez pas, c'est juste parce que c'est pas seulement de maintenant. Donc là, pareil, il faudrait penser, je pense, pour peut-être vous aider, puisque de ce que je vois au niveau du schéma du temps, vous avez essayé hein, de vous peaufiner, grâce à la vie un petit peu intérieure, vous avez essayé de chercher le pourquoi du comment de certaines attitudes. Simplement, Oui. de ce que je ressens, c'est que c'est compliqué, vous n'avez pas tout réussi. Alors, je vous jette pas la pierre. Quasiment pour tout le monde, on a besoin d'un praticien énergétique, maître Reiki, des soins angéliques, ce que vous voulez, qui permettent de couper. Qui permettent de couper D'accord. ce passif, ce karmique. D'accord? Donc, sachez que ben, il y a plein de personnes, on pourra en discuter en aparté. Voilà, il y a plein de personnes. Là, moi, je ne vous ai pas fait de soins, puisqu'on est vraiment dans votre question. Mais déjà, peut-être envisager d'abord un soin karmique, voir un petit peu est-ce que ça suffit, un soin de l'âme. Hein, essayer de réparer, et de colmater et de remplir d'autres choses, voir si ça peut suffire. Sinon, ben, après, y aller franchement et de se dire maintenant, ça suffit. Je ne vais pas me trimballer des vieux résidus karmiques qui ont plus lieu d'être dans une incarnation qui est d'un autre temps. Mais qu'est-ce que je peux faire moi-même de mon côté pour essayer de corriger Alors, ça? on en parlera en aparté au regard de ce que l'on m'a montré. D'accord? Maintenant, ce D'accord. qui est important, c'est votre positionnement. C'est-à-dire que déjà, à partir du moment où maintenant vous allez vous dire, waouh, ce qu'elle m'a dit, ça m'a surprise et en même temps, ça fait un écho en moi. Je sens bien que je suis là, mais que je ne suis pas là dans cette incarnation. C'est-à-dire que vous avez expérimenté la matière, donc tout ce qui est l'ordre de l'argent, de la réussite, du travail, bref, de ce que l'on montre, mais il vous reste encore un bout, c'est l'intérieur. Donc en Oui. fait, l'intérieur, vous êtes en train d'y arriver. Et c'est vrai que l'année dernière, pour moi, c'est une année qui est à bascule, hein. Bah écoutez, je suis depuis un certain temps, je me pose plein de questions en fait. C'est normal. Depuis 3 ans, vous êtes en éveil, mais vous êtes en vrai réveil depuis seulement l'année dernière. Ça pousse, Oui. le besoin. Est-ce que ça vous parle au niveau des dates? Ah oui, tout à fait. Et là, c'est comme si c'était, s'il vous plaît, laissez-moi, aidez-moi, donnez-moi. Et en fait, vous avez déjà tout. La seule chose, c'est que il faut remonter au niveau de la conscience, donc au niveau du mental, pour évacuer le réflexe que vous avez depuis toujours, qui est un réflexe mental et non plus un réflexe, je dirais, vibratoire. Parce qu'en fait, ce que vous attendiez quelque part pour vous-même, c'était quoi? Aujourd'hui, dans cette incarnation, c'était de vous retrouver. Et de vous retrouver dans quoi? J'ai besoin d'être, j'ai besoin de vivre, j'ai besoin de ressentir. Sauf que tout était mentalisé, bloqué, figé au niveau émotionnel. D'accord. Est-ce qu'on a pu vous dire que parfois vous étiez froide et distante sans le Ah bah, vouloir? tout à fait. C'est vous. Et c'est cette espèce de parpaing que j'ai devant qui bloque. C'est-à-dire que comme si vous disiez non, 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 moi dans une ancienne vie, j'ai été dans le don de moi, hein, ça m'a coûté. Physiquement, mentalement, psychiquement, spirituellement. Non, non, maintenant, je veux bien revenir, mais je ne veux plus donner cet affect. Et juste, c'est pas possible. C'est un non-sens, Géraldine. On peut pas, vous D'accord. pouvez pas boucler votre boucle. Et c'est pour ça que vous avez l'impression d'être haletante, de pas y arriver. Vous sentez que vous avez besoin d'y aller, mais vous n'y arrivez pas. Donc, la prise de conscience et ce qu'on va pouvoir voir en aparté, c'est justement comment vous aider, vous accompagner par rapport à votre parcours karmique. Donc, c'est pas valable pour tout le monde, hein. C'est très personnel. C'est lié à vos différentes incarnations, pourquoi, comment, etc. Comment vous amener justement à vous y retrouver. Parce que ce que l'on me montre quand même, c'est que dans plein d'aspects de votre personnalité qu'on me montre là, j'ai comme une boule devant moi et c'est comme si on me dit, alors là, tu vois, au niveau de son tempérament, c'est une beauté froide, c'est-à-dire qu'on ne sait jamais si c'est du lard ou du cochon. On ne sait pas ce qu'elle pense, on y va, on n'y va pas. Ensuite, on va se retrouver même sur cet aspect au niveau du travail, c'est tout est mentalisé, c'est-à-dire que tout est coordonné, organisé, il n'y a pas de la place à de la légèreté, à de la subtilité, non, vous êtes très rigoureuse, très austère intérieurement. Oui. Et vous avez un besoin de reconnaissance en plus qui vient se remettre par-dessus. Ça, c'est lié à votre incarnation là. Donc, vous imaginez le schmilblick? Oui. C'est compliqué, hein? C'est que vous Oui, tout à n'arrivez déjà fait. pas avec ce que vous avez ramené à vous y retrouver vous-même. Et en plus, avec cette incarnation, vous avez une autre couche qui est un défaut de reconnaissance depuis l'enfance. Donc, du coup, vous dites, mais oh, en fait, je ne sers à rien. Non. Voilà. C'est pas que vous servez à rien. C'est juste qu'il faut comprendre qu'il y a une partie de l'enfance qu'il va falloir aussi vous aider à couper. Puisque ça a plus lieu d'être, pour partir sur un autre schéma. Et puis surtout, vous virez vos casseroles karmiques. Parce que ça, c'est le plus important.
Je voudrais bien. voilà, sans nettoyer tout ça, vous avez beau y mettre toute l'énergie possible, c'est pas de maintenant. Alors vous pensez que ça va disparaître tout seul? Ben non, depuis le temps. Depuis le temps. Vous n'avez pas 20 ans, hein, Géraldine? Eh non, Ben ben voilà, non. donc du coup, depuis le temps, ça serait déjà parti si ça avait lieu de partir tout seul. C'est pas le cas. D'accord? Donc j'ai besoin d'aide. Oui, donc il va falloir vraiment, en tout cas, si telle est votre envie de pouvoir essayer d'expérimenter le reste de votre vie autrement, avec une autre référence, mais aussi avec d'autres ressentis, eh bien, c'est l'occasion. C'est D'accord. l'occasion de penser à vous et de vous dire, bah, tiens donc. Voilà, donc on le verra en aparté. On me dit d'ailleurs Oui. que vous n'attendez qu'une chose, c'est mignon ce que l'on m'envoie, vous n'attendez qu'une chose, c'est de vivre le sublime, que de pouvoir vous reconnecter à l'au-delà. Parce que c'est comme si on vous avait, comme un jumeau, coupé votre jumeau. Donc du coup, là, j'ai une âme qui est plutôt meurtrie de dire, je comprends pas, dans la vie d'avant, j'étais super connectée, j'étais waouh, c'était super haut, super bien. Là, j'ai envie d'y aller. Oui, Mais j'y arrive j'ai pas. envie. Mais j'y arrive pas. Et non, et pourtant j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui veut sortir, mais C'est juste l'expression de voilà. votre âme. C'est-à-dire, votre âme, elle a juste besoin de dire, oh, tu permets, je peux vivre. Est-ce que je peux D'accord. exprimer? Est-ce que je peux aller reconnecter avec ce que j'ai été dans une vie d'avant? C'est-à-dire que vous étiez très élevé spirituellement parlant. Et là, dans cette incarnation, vous avez eu la peur, en fait. C'est la peur de vous faire avoir de la même manière, en ne sachant pas évidemment que vous alliez vous incarner dans un temps plus moderne, on va dire plus évolué. Mais quoi qu'il en soit, vous avez carrément mis tout ça sous un couvercle et bien bloqué en disant non, 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 non. Moi, le sensitif, l'émotif, j'ai déjà donné. Non, non, ça m'a trop coûté, je ne veux pas y revenir. Et là, c'est D'accord. plus fort que vous. Ça bouillonne dans la cocotte. Donc, il y a une demande. Il faut que ça sorte parce que toutes vos capacités, ça c'est valable pour tout le monde si vous nous écoutez, toutes les capacités que vous avez engrammées, donc récupérées, récoltées, tout ce que vous avez développé vous concernant, vous le gardez comme une mémoire. Ce qui signifie que vous êtes complètement configuré avec votre passif. Donc il faut l'utiliser pour maintenant aller encore plus loin autrement. Et du coup, dans une autre expérimentation de vos capacités spirituelles et ésotériques, vous dire, waouh, je peux maintenant les développer sans me retrouver, par exemple, ligoté, battu, enfermé, etc. D'accord? D'accord. Il y a une Donc, époque dont... Oui? vous croyez qu'aujourd'hui j'ai encore ces capacités que j'avais à Oui, l'époque? absolument. C'est votre mémoire, hein? C'est votre mémoire d'âme. Tout ce que vous avez appris. Vous l'avez gardé, simplement vous souhaitez le protéger parce que vous savez ce que cela vous a coûté de l'avoir à une époque où c'était juste improbable. C'était improbable. D'accord. Vous avez payé le prix cher, le prix fort, puisque vous en êtes mort, hein. Vous étiez homme et vous êtes venu vous réincarner en femme, ce qui n'est pas facile non plus. Donc là aussi, il y a besoin par rapport au féminin d'arrondir un peu les angles, puisque vous avez un tempérament très masculin, d'accord? C'est-à-dire que Oui. vous avez cette espèce de conviction, c'est pareil, vous avez gardé ça en vous disant, je me retiens et je tiens à tout ce que je peux tenir pour essayer de sauver les meubles. Sauf que du coup, à vouloir trop anticiper, trop contrôler, vous n'avez pas pu laisser émerger cette connaissance qui est en vous. Donc il est temps. En tout cas, si vous le D'accord. souhaitez. Il est temps parce que c'est nécessaire à votre âme, c'est nécessaire pour votre évolution. Donc, moi, je dirais qu'il n'y a plus qu'à y aller, hein. D'accord? Alors, Tout à fait. on va arrêter là la vidéo, puis je terminerai avec vous en aparté sur vos petits éléments personnels et karmiques pour vous guider du mieux possible. Merci à tous de nous avoir suivis. Si vous Avec aussi, un grand merci. merci Géraldine. Et puis, pour tous ceux qui voudraient aussi nous suivre, nous sommes sur la page. Voilà, on est dans le partage, dans la bienveillance. Tirage au sort tous les mercredis, des petits tirages bonus. Je vous dis à très très bientôt. Prenez soin de vous, âme lumineuse.